On va prendre la direction du Kasaï oriental où les agents et cadres de la direction générale des recettes de cette province étaient en mouvement de grève en toile de fond, 3 mois d'arriérés de salaire. Ce jeudi d'ailleurs, aucun agent de cette régie financière provinciale n'était à son poste de travail. C'est une ambiance inhabituelle qui a prévalu ce matin à la direction générale de recettes du Kasaï oriental. Bureau fermé, moto de service abandonné dans la cour. Aucun agent de la régie financière provinciale n'a voulu travailler pour renflouer la caisse du Kasaï oriental. Après 3 mois sans salaire, ils ont enfin décidé de suspendre le travail. Nous sommes impayés, on est parents, nous sommes locataires. Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas droit aux examens dans les études. Nous sommes en train de souffrir. Et alors, nous sommes en train de dire que nous sommes d'abord mal payés. La visite de la gouverneure ad intérim il y a quelques jours au sein de ce service provincial pour calmer la tension n'aura rien apporté. À la DGRCOR, aucun agent ne touche plus de 100 dollars le mois. Ici, le salaire est non seulement insignifiant, mais aussi irrégulier. Nous nous étonnons. Après avoir félicité notre DG, il a bien travaillé. Je ne sais pas, bien travaillé par rapport à quoi? Si, c'est-à-dire qu'il avait balayé bien ou bien il avait bien cultivé. Mais si c'était par rapport à nos recettes, comment nous ne sommes pas payés pendant 3 mois? La réaction du gouvernement provincial à cette grève décrétée à la DGRCOR s'est fait encore attendre.